Jésus lui-même sans elle, tout n'est qu'aux ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même sans elle, tout n'est que ténèbres. Nous saluons nos bien-aimés dans le très précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est avec un peu cœur content que nous avec aujourd'hui. C'est un privilège pour nous capables avec, pour nous partager tes réflexions ça, sous question que en pile mon a posé nous ces derniers temps, puisque nous n'en mois. Est-ce que fête Noël c'est pour chrétiens? Est-ce que c'est une fête païenne ou bien c'est une fête chrétienne? Donc, c'est ça que nous allons essayer de répondre pour la lumière de la parole de Dieu. Nous allons garder ensemble, est-ce que fête ça? Est-ce que l'y répondre? Est-ce que chrétien doit rentrer là-dedans ou bien il doit prendre distance par rapport à lui-même? Merci Seigneur. Tout d'abord, invitez le maître de la parole à une peuple assis dans le temps, nous, pour le diriger, nous, pour le conduire, nous, pour le guider, nous, dans la réflexion, ça. Merci, Seigneur. Adorable Père Saint, Papa, nous qui sommes dans le ciel, nous glorifions, nous magnifions, nous, même qui sommes le vrai Dieu. Nous disons merci, Père, pour parole, merci pour vérité, merci pour parole qui sont une lumière, car c'est ça qu'on dit, nous, ou sanctifier, nous, à parole, parce que parole, c'est vérité. Nous avons besoin, on a un moment ça, afin qu'on soit capable de conduire, Seigneur Dieu, un moment ça, au capable de conduire nous, au capable de diriger nous, et parole, au capable de parler en toute vérité, avec puissance, et nous, on va glorifier. Petit tout qui là, on va édifier. C'est comme ça que nous prions, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Encore une fois, nous saluons, nous, dans le très précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous comptons que nous, avec vous, dans moment ça, pour nous répondre à une question ça, pour question qui a rapport à fête Noël. Est-ce que c'est une fête chrétienne ou bien c'est une fête païenne? Quittez-nous dire tout d'abord que, et frère Maxime, tant que pour n'importe monde, nous remet passer moment en présence de famille, en compagnie de famille, en compagnie de amis, pour dans des moments côté nous retrouver nous ensemble pour nous fêter, pour nous manger ensemble, pour nous blaguer, pour nous discuter. Mais tout coup ça qu'on fait et ça toujours fait, nous toujours fait. C'est vrai, tout le monde remet ça. Mais en ce qui a trait à fait ça particulièrement, le premier réflexe nous, eh bien, quand on a toujours fait pour n'importe quel sujet que nous avons abordé, eh bien, première recherche, notre premier réflexe que nous gagnons, c'est toujours nous garder qui ça, parole bon Dieu dit. Question nous gagnons, nous toujours aimons garder libre par rapport à la parole de Dieu. Nous aimons répondre à la lumière de la parole de Dieu. Et pour nous garder, qui sa parole bon Dieu dit. Et tout d'abord, le nous garder, mes bien-aimés, nous voyons que nous cherchons dans toute Bible, nous ne parlons pas et Moussa, nous ne parlons pas Noël, ou bien Christmas en anglais. Donc, c'est première surprise. Première surprise, premier bagage qui attire l'attention, non, c'est Moussa. Est-ce que l'il est là? Est-ce que l'il existe? Est-ce que l'il est en côté dans la Bible? Non, pas joué. Et il n'a pas existé dans la Bible. Alors, s'il n'a pas existé dans la Bible, et voilà que l'il est là, il est bel et bien, et il n'est pas capable d'avaler le terrain. Il avale le terrain sérieusement. Mon a célébré correctement. Chrétien particulièrement a célébré correctement. Donc, bon côté sorti. Alors, qui côté, s'il est là, c'est que lui obéit à un bagaille. À qui ça? À une tradition. Donc, qui côté tradition ça a sorti? Qui côté origine ça, date ça, 25 décembre, non, qui côté sorti? Tout d'abord, qui t'aime dit non, 25 décembre, mes bien-aimés, date ça, le 25 décembre. C'est avant tout une date qui correspond à une fête païenne. Qui relève
Di Natali Soli Invicti. Di Natali Soli Invictia, c'est jour de naissance du soleil invaincu. Jour de naissance du soleil invaincu. Donc, Noël, c'était la fête du soleil et donc de la lumière. Si nous étions capables de dire comme ça. L'été correspond à qui ça? À solstice d'hiver qui était daté au 21 décembre. 21 décembre, dans le calendrier julien. Et 25, l'été correspond à 25 décembre, dans le calendrier grégorien, dans le calendrier que nous la donne là, un calendrier qui a été mis en place par le pape Grégoire XIII en 1582. Donc, c'est la donne, nous y est là. Il vient de faire que l'Ivine Banou, 25 décembre, non. Donc, à partir de date, ça, mes bien-aimés, c'est-à-dire le 25 décembre, eh bien, tout jour commençait à rallonger, à allonger. Donc, lumière, il commençait à reprendre terrain sous, il commençait à reprendre et force, il commençait à reprendre force sous ténèbres. Donc, lors de ce jour précis, à savoir, et n'a pas parlé là de 25 décembre, eh bien, il y a eu un culte au soleil. Un culte au soleil, il y a adoré. Il y a un culte particulièrement, ça a été fait à Rome. Côté, il y a eu un adoré, il y a une pierre noire. Et dans le moment, ça, frère Semio, t'es gagné tout le culte des morts, t'es gagné tout ça y aurait la prostitution sacrée, ou t'es joué un transfert des reliques, ou t'es joué des statues les plus sacrées. Donc c'était un temps de débauche, c'était un temps de perversion, c'était un temps côté en pile bagaille tête chargée à passer, des débauches extraordinaires. Donc c'est ça qui était qu'on fait dans le moment ça. Et là nous regardons, ça qui caractérise Noël là, et bien c'est qui ça? C'est un temps, mes bien-aimés, côté, mon choisi, je dis, y a mon choisi comme toujours, il n'y a pas diverti. D'ailleurs, Noël, Dieu nous ban nous, que ouvert dans la période ça, tout le monde se programme, tout le monde a cherché diverti. Donc, et voilà, divertir, c'est divertir, divertissement, c'est plaisir, des bouts de divertir, c'est plaisir, et bien toute qualité plaisir, c'est un mot que la Bible lui-même lui attire attention nous sous lui. Le nous garder dans Exode, chapitre 32, le verset 6, il fait nous comme ça, si nous gardons, hein, bam l'île pour nous, Exode 32, le verset 6, qui ça le dit non? Il dit, dans demain matin, il levé bien bonheur, il a touillé bête, il a boulé, il a net, offri by Seigneur, il a touillé l'autre bête tout, pour dire merci. Après ça, peuple a chita, il a mangé, il a boué, le fini, ils ont levé pour y prendre plaisir. Est-ce que nous ouais? Donc ils ont fini manger, ils ont fini offrir, by Seigneur, ils ont trouvé ben pour lui offrir un sacrifice pour bon Dieu et la Bible dit pour dire merci un sacrifice d'action de grâce. Mais toute bagarre était bien commencé et qui j'en sais pas le fini, ça va le fini mal parce que la Bible dit le fini ils ont levé pour y prendre plaisir. Se divertir. Donc là, mes bien-aimés, tout le bagage était bien commencé pour le peuple d'Israël là. D'après ça, nous lit là. Après, ils sont tombés dans qui ça? Ils sont tombés dans le bagage drôle. La Bible dit clairement, ils ont levé pour ils prendre plaisir. Et si nous continuons, toujours, nous pouvons regarder, même plaisir ça, qui côté le pralmené, nous pouvons regarder dans Exode. Nous pouvons regarder plaisir ça, sa parole, bon Dieu dit non, dans Exode chapitre 12, les versets 35 et 36, qui ça le dit? Il dit nous, en nous gardant parole ça ensemble, frère Semio, il dit, bon, fait lecture de la parole de Dieu pour nous, qui ça le dit? Il dit, mon peuple Israël, yo, te fait ça, Moïse te dit, yo, yo, m'a dit, mon pays l'Égypte, yo, bijou en argent, bijou en l'or, en samakrade. Seigneur a te fait mon pays l'Égypte, yo, gen ke sensible pour peuple Israël là. Yo ba yo tout ça yo te mandé. C'est comme ça, peuple Israël là prend tout bagay mon pays l'Égypte yo. Ok? C'est encore, mes bien-aimés, yon nan me fait message sous
prospérité matérielle. Et ça fait, bon Dieu, eh bien, il pral menacer peuple là. Il pral menacer peuple là. On pral dans Exode chapitre 32, les versets 7 à 10, hein, qui ça dit, il dit parole ça. Il dit, le Seigneur pral menacer, il dit, le ça, Seigneur a dit Moïse, allez non, ou mettre descendre, parce que peuple te fait monter sortir dans pays l'Égypte là, gétant déraillé. Yo la gè tèt yo nan bois. Yo gen tan kite chemin mwen te mande yo suiv la. Yo pran lò, yo fon li, yo fè estati yon ti toro bèf. Yo tombe fè servis pou li, yo touye bèt ofri bali, epi yo di peb Israel, men bon Dieu nouan, se li ki te fè non soti ki te peyi l'Egypte la. Seigneur a di Moïse anko, mwen wè peb sa, se yon peb ki gen tèt di. Bon, kou liye ya. Qui te mal réglé à qui yo? Mon pral fè yo konnen. L'homme en colère m'a détruit yo, m'a boulé yo. Mais ou même m'a fò vinn yon gros nation. Mais mes bien-aimés, je dis à mwen vle di ou attention. Yon gros danger. Nan yon fèt tout bagay ka rive. Nan yon fèt tout bagay possible. Donc attention. C'est ça w'ap gade jodi a la. Débauche, gagote, ça qui est important pour tout le monde aujourd'hui, c'est fête, c'est plaisir, c'est divertir. Donc, dans divertissement, dans plaisir, dans programme, dans tout bagay qui arrive, peut-être qu'il y a parce que pour quelqu'un alcool, pour quelqu'un qui écoute ou apprend de drogue là-dedans, ou apprend toute qualité de l'autre bagay, et il peut le mener qui ça, il peut le mener en il était chargé, il va déboucher sous perversion, il va déboucher sous orgie, il va déboucher sous débauche. Et puis, eh bien, qui s'est passé? Ça va venir porter des bagailles graves. Il va y avoir des conséquences graves sur la vie ou sur le futur. Mais, en arrêté, dans ce qui a un rapport à ça, n'a pas les jodis. Dans ça qui concerne nous, plus précisément, eh bien, c'est est-ce que fête Noël là, c'est une fête chrétienne ou bien c'est une fête païenne? Là, nous regardons, mes bien-aimés, nous disons, qui côté sorti? Il sorti, non, fête culte, il était qu'on fait pour soleil. 25 décembre, côté nous disons, fête païenne ça, littéralement, dit Nathalie Soli Invicti. C'était un culte que j'ai fait pour soleil. C'était jour de naissance du soleil invaincu. Mais depuis le milieu du 20e siècle, période ça, qui ça vient de prendre, période ça, mes bien-aimés, les vins perdus, aspect religieux que j'ai metté, j'ai bali, aspect religieux qui t'a marché avec là, eh bien, les vins perdus, tout aspect ça. Tout en tout en conservant les perdu aspect religieux, mais les conserver aspect regroupement familial autour de repas. Par exemple, quand on connaît, bon, période ça, c'est période de côté toute famille réunie. Dans période ça, toute famille réunie, nos chita autour d'une table, eh ben, n'a pas mangé en famille. Donc c'est ça, les kembe et tradition ça. Donc, mais la Bible, mes bien-aimés, le nous garder la parole de Dieu, la Bible pas dit non pour nous fêter fête ça. C'est ça qui est important. Pas d'aucun côté, la Bible dit non pour nous fêter naissance. Et on l'autre côté tout, fêter naissance. Ok? Si la Bible te dit non, t'as fait. Et de l'autre côté tout, pas de la Bible pas ben nous. Date. Voir pour aujourd'hui pour nous accrocher nous à une date. Nous connaissons le défini, nous connaissons le défait, c'est très bien. Mais la Bible pas dit non, date. Il pas dit non, date exacte de la naissance de Jésus-Christ. Jean, il dit, c'est ça qu'a fêté là, c'est ça qu'a fait là. Le nous garder, la Bible parle en hôpital que la Bible dit non, dans la période ça. Berger, il était deux, yo. Pour garder troupeau yo. Berger yo te deux yo pour garder troupeau yo. Et nous connaissons
nous connaissons pertinemment, mes bien-aimés, dans la période ça, en Israël, eh bien, il fait fret. Et souvent, dans la période ça, il y a un pile neige. Donc, ce n'est pas le temps pour berger, yo, t'as pris soin, yo t'as quitté, yo t'as quitté mouton yo dehors. C'est pas yon, et pas en période pour t'as quitté mouton yo dehors. Donc là, nous vine pas gain problème, donc nous est que li pas ça du tout. Donc la naissance de Jésus, eh bien, li t'a doué si nous t'a gardé, ça la parole de Dieu dit nous, li t'a plutôt au printemps ou bien en été. Donc pour qui ça? Parce que c'est dans ça, d'après ça, la parole de Dieu dit nous, dans la période de berger, yo, yo te deyo pour yo garder troupeau yo. Mais, de l'autre côté, pour qui ça Jésus, alléluia, n'est pas jugé nécessaire, n'est pas jugé utile pour te ban nous date ça lui-même personnellement. Pour qui raison? Parce que Jésus connaît que l'homme, il connaît nous. Dans l'omniscience, il connaît nos chaque. Et s'il pas de vie, s'il pas fait, s'il pas de vie, il pas de mettre accent sur la date naissance là, c'est que pour lui, ça pas important pour nous. Par contre, sur ça qui est important pour nous, les poter en pile précision sur eux. Tout l'autre événement, mes bien-aimés, les banons, avec en pile précision. Les banons avec en pile précision et avec en pile détail. Tout l'autre événement yo libanou yo avec un pile force de détail, un pile détail, un pile précision et un pile détail. Mais en rien sous ça n'aurait les jeudi à Noël, en rien sous ça n'aurait les Christmas. Donc si t'es écrit, eh bien, nous t'as besoin. Et pour qui ça? Tout ça que lui dit nous, le la petite précision pour nous, lui dit nous. Au jour fixé par Dieu, au temps convenable, au jour fixé par Dieu et au temps convenable. Donc, nous pas gain rien d'autre, mes bien-aimés. Ce qui veut dire que pas gain nous qui doit rentrer dans la logique ça. Nous n'avons rien d'autre. Nous pas gain l'autre bagaille pour nous faire que obéir à la parole de Dieu. Parce que nous faisons profession de foi à sola scriptura, à l'écriture seule, c'est dans ça que nous y est. Eh bien, mes bien-aimés, puisque la parole de Dieu n'est pas banale, eh bien, le Seigneur lui-même n'a pas porté précision ça, n'a pas mis accent sur ça. C'est que le Seigneur n'a pas jugé nécessaire pour nous, même pour nous entrer dans la logique là. Parce que tu n'as jamais demandé nous pour nous faire. Et gardez bien. Qui message central que lui quitte pour nous? Message central, la sainte message lui, qui ça lié? Il pas de jambe naissance là. Il pas de jambe naissance bébé là. Il était plutôt la ville. Il était plutôt souffrance lui. Il était plutôt l'amol. Il était plutôt résurrection. C'est ça, sainte message là. Point central pour nous, c'est ça. C'est la vie de Jésus, les souffrances de Jésus. La mort de Jésus, la résurrection de Jésus et le retour de Jésus. Et ça, mes bien-aimés, nous capables de fêter la vie, les souffrances, la mort, la résurrection, nous capables de fêter chaque jour. Pas gagner une date pour ça, pas gagner une période pour ça, parce que c'est le message central. C'est le message. Le message, c'est ça, c'est la vie, c'est les souffrances, c'est souffrances, c'est la mort, c'est la résurrection. Et ça, j'en ai dit, on est capable de fêter tous les jours. Lorsque vous avez Jésus-Christ dans la vie, lorsque vous avez Jésus-Christ dans la vie, vous faites ça, et mais ça, vous fêtez chaque jour. Donc, oui. Jésus, mes bien-aimés, n'est pas, l'a-nous bien gardé. L'a-nous gardé ambiance, l'a-nous gardé déroulement, période là. L'a-nous gardé ce qui ça, le mettez en phase. Eh bien, nous capables. Ouais, clairement que dans la période ça, Jésus n'est pas honoré. Dans le temps ça, Jésus n'est pas honoré. Il n'est pas honoré. Il n'est pas honoré. Et exactement, nous voyons ça dans le moment ça. Et même Jean, le devenir, il n'est pas honoré. Il n'est pas accepté.
La preuve en est bien grande. Nous, ouais, comment ça t'est passé? Comment elle t'est faite? Lorsqu'elle t'est venue sur la terre, il t'est venu visiter nous. Il n'y a pas d'honorer. Pas de place pour lui. Tout comme je dis, ah, eh bien, pas de place dans un pile cœur pour Jésus. Pas de place dans un pile cœur pour Jésus. C'est même genre, Jésus voulait visiter aujourd'hui. Ah. Il voulait entrer dans la vie aujourd'hui. Ah. Il voulait rentrer la caille aujourd'hui. Ah. Mais est-ce qu'on a place pour lui? Tout comme elle t'est venue première fois, eh bien, il n'y a pas accepté. Il n'y a pas de place pour lui. Mais je dis, elle voulait entrer dans le cœur. Ou pas de place pour lui. C'est bien triste. Je dis à ouais, tout le monde focus sur fait ça, et puis ou pas de place dans le cœur pour Jésus. Et l'on a regardé des mondes qui disent que c'est chrétien. L'on a regardé des mondes qui disent que c'est disciple Jésus-Christ. Eh bien, qu'a plongé tête baissée dans fait ça, qu'a célébré. Tout croyant, il a plongé, tout l'esprit, tout l'âme, tout croyant, il a fêté, il a rentré tête baissée dans l'église, en fait ça, dans l'église là, ou après crèche à droite, crèche à gauche, Abdé Noël pas ci, Abdé Noël pas là, ou sapin tout côté, et puis qui ça y a dit yoye, yo c'est chrétien, qui ça y a dit yoye, yo sorti, yo fait partie de culte réformé. Qui ça yo dit yoye? Yo nan 5 sola. Qui ça yo dit yo accroché à sola scriptura? Et puis yo baissé, a fait tout bagay ça yo. Et puis yo tombé tête baissée, y a diverti yo. Yo tombé dans tout débauche, yo nan fête, yo nan tout à droite, tout bagay. Ça veut dire, c'est qui ça fait? C'est qui ça traduit? Ça traduit, ça montre clairement que monde l'an mais bien-aimé, j'en ai dit, eh bien, païen, fête païen, eh bien, activité païenne, non, eh bien, li entrer en dans l'église là. Païen, fête païenne, entrer en dans l'église là. Bien que l'été la donne déjà. Mais dans le moment ça y est, où elle entrée avec toute force li. L'entrée avec toute force li. Ou regardez, hier nous t'es là dans tout nous-mêmes. Nous te qu'on fait le tout, mais jusqu'à ce que le Seigneur, la vérité, affranchit nous. Jusqu'au jour où nous te découvrir la vérité, et la vérité affranchit nous. Car c'est ça le dit, non. Nous te qu'on la donne tout. Nous t'es plongé tête baissée là-dedans tout hier. C'est qu'on s'en était tout. Nous t'es toujours là-dedans. Nous t'es toujours à avancer. Nous t'es toujours à faire tout ça que, ou est qu'a fait là, yo. Hier, c'est là-dedans nous t'es. Mais je dis, le Seigneur fait nos grâces. La vérité affranchit nous. Donc, en tout le monde, mes bien-aimés, a fait-elle. Et pas parce que la Bible dit, mais c'est a fait par tradition. En tout le monde, plongé tête baissée là-dedans. C'est pas parce que yo well on côté, c'est pas parce que yo croit là-dedans, c'est pas parce que yo connaît la Bible dit non, yo fait par tradition. Papa m'te fait, maman m'te fait, grand-père m'te fait, grand-mère m'te fait, grand-grand-grand-parent m'te fait, eh bien nous lever, nous joindre ni comme ça. De génération en génération, les pralés, ces traditions. Mais est-ce que, mes bien-aimés, nous chrétiens, nous capables d'obéir à la tradition? Eh bien, en regardant sa parole, bon Dieu dit, moi-même avec vous, est-ce que nous capables d'obéir à la tradition? Sous question ça, puisque fait ça, son fait qui a un rapport à une tradition, mais moi-même avec vous, je dis à nos côtés, nos chrétiens, moi-même, aujourd'hui, à nous porter nos disciples de Jésus-Christ, eh bien, qui sa parole, bon Dieu, m'a dit non. En a regardé, dans Marc chapitre 7, verset 8, eh bien, qui ça le dit non. Il dit, Jésus dit yo comme ça, avec nous la parler là. Je dis, nous mettez commandement, bon Dieu, sous côté, pour nous suivre, coutume, monde établi. Nous abandonner commandement, bon Dieu, et mais pour nous respecter tradition l'homme. Et c'est ça le dit nous là. Jésus dit yo comme ça. Nous mettez commandement bon Dieu sous côté pour nous suivre coutume moun établi. Donc je dis à Frère hier, nous sommes dans tradition. Je dis à le Seigneur fait nous grâce. Il mettez nous à pas. Donc nous sommes pas capables de désobéir commandement bon Dieu. Nous sommes pas capables de désobéir. Parole, bon Dieu, car la parole de Dieu, les commandements de Dieu, eh bien, c'est loi mère. Yo vini, yo sous tête toute l'autre bagaille, yo sous tête tout ça que n'a fait par tradition. C'est ça qu'elle dit clairement. Nous mettez commandements, bon Dieu, yo sous côté pour nous suivre
coutume monde établi, coutume monde établi ses traditions. Donc un jour, mes bien-aimés, nous te la donne, mais je dis, le jour nous depuis le nous rencontrer avec le Seigneur Jésus-Christ, et bien depuis le ça, la vie nous vient prendre une autre direction. La vie nous vient prendre une autre direction parce que nous venons l'autre monde. Nous sommes nés de nouveau, nous régénérés, nous sortis dans les ténèbres, nous passons dans la lumière. Donc Jésus porte la lumière pour nous. Jésus, c'est la lumière du monde. Et Jésus, c'est ça le dit, non. Monde qui suivent lui, monde qui marchent avec lui, ils n'ont pas consacré les faits noirs encore. Donc Jésus pas qu'à dans la vie, je dis, hein, et puis pour marcher dans les faits noirs encore. Jésus, dans la vie, il porte la lumière pour moi. Liban moins, parole li, qui c'est vérité. Liban moins, la paix. Donc je dis, moi connais Jésus, c'est vérité. Et moi, mon désir pour marcher libre. Moi, mon désir pour vivre dans la liberté, ça. Moi, mon désir pour marcher dans la liberté, ça. Liberté que Jésus, ben moi. Et liberté pour mon chaque qui l'a, qui gagne Jésus, qui prend Jésus, ça. Qui te fait sacrifice ça pour moi avec à la croix. Donc qui vient changer tout bagaille. Parce que les retirer nous dans ténèbres pour passer nous dans lumière. Donc je dis à Frère Mio pour nous finir. Est-ce que fait ça? Est-ce que Noël sont fêtes chrétiennes? Est-ce que Noël c'est pour chrétiens? Nous capables de non. La parole de Dieu dit, eh bien, nous mettez commandement mon Dieu sous côté pour nous suivre. Coutume monde établi. Marc chapitre 7, verset 8. Donc, fête Noël, pas pour nous. Fête Noël, pas pour disciples Christ. Mais, est-ce que je ne suis pas capable de rencontrer, est-ce que je ne suis pas capable de réunir avec famille, moi, autour d'un repas? Oui, je suis capable de faire, avec des amis, avec famille, moi, oui, je suis capable de faire, et pas un problème que lié. Mais, associez-vous à un mouvement qui gagne origine païenne, associé à un mouvement, à une fête païenne, que yon introduit, yon mette dans l'église là, pour yon faire passer comme une fête chrétienne, là, l'a entraîné, mes bien-aimés, toutes sortes d'excès, l'a entraîné toutes sortes d'excès charnels, et là, finalement, au lieu que le rapprocher de bon Dieu, eh bien, l'ipral, finalement, éloigné. Il va éloigner de bon Dieu parce que il faut tomber dans des débauches et ou pral désobéir à la parole de Dieu ou pral désobéir à commandement mon Dieu qui dit clairement nous mettez commandement mon Dieu yo sous côté pour nous suivre coutume mon établi. Donc je dis à frère Samuel ou même qui tend des paroles ça c'est va ou même décision c'est pour vous c'est vous même qui va connaître est-ce que vous va continuer. Est-ce que vous prenez conscience? Est-ce que vous parez pour obéir à la parole de Dieu? Ou bien est-ce que vous parez pour marcher dans la tradition, dans la coutume mon établi? Est-ce que vous voulez suivre la coutume mon établi? Est-ce que vous voulez obéir à la commandement mon Dieu? Ou bien vous voulez suivre la coutume mon établi? Donc ça, c'est vous-même qui connaît. C'est à nos chaque qui l'a, qui te prête attention, non? Qui tape tant de moins. C'est à nous chaque qui là qui est capable de répondre à la question ça. Car la décision est personnelle. Donc c'est vous-même qui connaît. Est-ce que vous parlez, est-ce que vous là, vous voulez obéir parole bon Dieu, ou bien vous voulez marcher, vous voulez suivre pour le monde établi. Car, mes bien-aimés, bon Dieu, livrez Jésus pour venir retirer nous dans le peignoir, pour venir retirer nous dans l'esclavage. Lorsque les dit nous, li ban nou vérité a et moun ki va konnen vérité a la pa franchi li di nou ça vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira li di nou dans Jean 8:32. Donc mes bien-aimés nous chaque qui là c'est pour nous capables la parole de Dieu claire c'est pour nous suivre commandement mon Dieu c'est pour nous suivre commandement mon Dieu et c'est pour nous faire ça bon Dieu voulait nous faire et non sa tradition voulait nous faire. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu protège, que bon Dieu passe avec vous. Amen.